Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, si vous vous souvenez, dans cette école de l'hélicoptère. C'est ça, sous les bleus. Ne t'approche pas trop du bord de la plateforme. Ne touche pas au tuyau. Saute maintenant. Éloigne-toi des tuyaux. La tour va s'écrouler. En fait, c'est simple. Il faut pas... Et donc là, on va réessayer d'appuyer sur le bouton rouge. Ah ah, j'ai plus de vie que toi. Tu te rends compte? C'est injuste. Allez, là, ça peut marcher. Voilà, c'est super, ça marche, chacun. Oui, plus rien. Voilà. Donc là, la porte s'est ouverte, je suppose qu'il faut que j'aille dedans. Voilà. Ouais, on va essayer ça. Sur plus de vie que toi. Je sauvegarde vu que voilà. Et hop, c'est parti. On file dans la plateforme. Allez, 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 allez. Aïe. Aïe. Oh là là. C'est un peu grand ici, dites-moi. Ah, il y a un truc à appuyer. On va appuyer dessus. Voir ce que ça fait. Ça resserre, ça referme, ça réchauffe quelque chose. Ça ouvre cette porte, je suppose. On va aller voir en haut, ça m'intrigue. Ah non, ça ne sert à rien. On va aller voir quand même parce que ça m'intrigue. D'accord, oui, ça ne sert à rien. Confirmation. Donc là, est-ce que tu me redonnes un petit peu de vie? Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc très bien, on y va. Allez hop. Je vous remets ma lampe torche pour que vous y voyez quelque chose, même si on voit tout. Vous avez entendu? Je crois que c'était la porte, mais je sais pas, on aurait dit qu'il y avait un autre bruit. Ouais, un bruit comme celui-là. Dépêche-toi de recharger! Plus vite! J'ai plus de putain de fusil de merde. Non plus, non plus, non plus. Attends, arrête. Il a touché. Au secours. Bon. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, je sais qu'il arrive en haut à droite. Oui. Heureusement que j'avais sauvegardé. Heureusement. Heureusement que je ne leur fais aucunement confiance. Du tout, du tout, du tout. Piège. Jamais assez avec ça. Attendez, 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 je pars, je pars, je pars, je de fusil. Laisse-moi sortir. Je peux pas sortir. Ah,
Faut que je remonte de deux armes ensuite. Et j'ai plus de munitions nulle part. C'est une horreur. Là, je n'aurai pas de vie, c'est débrouille-toi. C'est celui-là qu'il me faut, je crois. Charger plus vite, c'est pas possible. Bon, cette fois je sais quel fusil il me faut. Vous allez voir que quand je serai dans le truc, je m'en souviendrai pas. Celui-là, puis c'est celui-là qu'il me faut de suite. Il est où là? Je l'ai tout suite là. Non. C'est mort. C'est mort, je peux pas là. J'ai pas assez de vie, mais je peux pas avoir plus de vie, c'est le maximum qu'on me donne. Ah bah c'est bien gâché les cartouches. Bravo. De toute façon, je pense qu'on va mourir. Je cherche pas, c'est pas la peine. Attendez. J'ai vu que je pouvais récupérer bien en face de. D'accord. Bon. Attendez, qu'est-ce qui me donne plus de vie? C'est ça? Qui me donne plus de vie? Vas-y, donne-moi plus de vie. Merci. Voilà, donc là, c'est un peu mieux déjà. On va gagner un peu plus de vie. Ça permet également de me grouiller de changer d'arme et de le blesser d'ici là. Il est où là? C'est comme ça que tu te réfugies pour viser? C'est bien, c'est utile. Qu'il me reste comme vie? Vous avez vu ce qu'il me reste comme munitions? Oh mon dieu, je peux pas retourner me soigner. Oh putain, le froid m'a tué. Ah, c'est dégueulasse, c'est pas juste. Ah, c'était franchement immonde. Oh, mais comment ils ont pu me faire un coup pareil? Où c'est utile de se cacher. Je ne pas perpétuer. Oh.
j'ai... C'est fini pour moi. J'ai fait du soutien. Il faut que je monte de suite, hein. Par contre, meurs. Meurs. J'ai plus assez. Oh, je vais achever avec ça. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ce que c'était juste. Oh, punaise. Là, faut que je me grouille parce que sinon, le froid va me tuer encore. J'en suis sûre. Réchauffe-moi. Réchauffe-moi, j'ai besoin de... Donne-moi de la vie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Réchauffe-moi. Réchauffe-moi. Plus. Voilà, merci. Ouf, on se regarde. Ce fut un véritable massacre. Vous avez vu ça? Quelle horreur. Bon, bah alors du coup, moi je suis un petit peu bloquée là. C'est quoi ça? C'est pas un truc que je peux déclencher? Je fais quoi du coup? Les trois armes chargées. Meurs, meurs, meurs. On approche de la fin là, dites-moi, non? Je pense, hein, ça commence à devenir un... Ah, faut que j'aille là. Ah, mais comment j'y vais? Ça commence à devenir un vrai massacre. Je commence à souffrir. J'ai encore des cartouches là, non, j'en ai plus. Là, j'en ai, mais bof. Là, j'en ai plus. Là, j'en ai encore un petit peu. Enfin, encore très très peu. Ah, c'était pas mort. On m'a fait ça. Je pensais vraiment qu'il était mort, moi. Et j'en ai vraiment plus beaucoup des cartouches. Il faut que je me soigne. Faut que je me soigne et faut que j'essaye de trouver une solution pour nous tirer de ce pétrin, mais ça me paraît délicat. Très délicat en fait. Je peux ressortir? Est-ce que ça va m'avancer quelque chose? Oui, il y a une échelle là. Oui, il y a un truc en haut. Le bruit m'a fait peur. Très peur. Ok, on va monter là. Je suis où là? Ok. Ok, je suis là. Tu veux pas me soigner toi? Non. On va prendre ça. Un cercle se forme sous les grands arbres qui élèvent leur voix solennelle. Au sein de l'obscurité frémissante, nos gens, mauvais et harassés de fatigue, se préparent à juger Danko. Toi, homme de rien, malfaisant meurtrier, lui crie-t-il, ton châtiment sera la mort. Et la tempête semble applaudir leurs paroles. Danko résiste, seul face à tous. Vous m'avez dit, conduis-nous. Et je vous ai guidé, réplique-t-il. C'est ma bravoure qui me fait votre chef. Mais vous, marchant à ma suite, vous n'avez pas su conserver vos forces pour arriver au but. Troupeau de moutons, vous vous traîniez en vous appuyant l'un sur l'autre. Ces mots augmentent encore leur rage. Il s'est passé un truc pas génial, hein? J'ai plus de munitions et je tire à côté. C'est ça. Arrête, je recharge là. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Fait tuer, vous voyez, c'est très efficace. C'est la technique pour se faire tuer. Bon,
J'ai vraiment pas d'autre fusil, mais non, j'ai pas d'autre fusil. Ah, ça va pas, ça. Bon, maintenant, je le sais. Un cercle se forme sous les grands arbres qui élèvent leur voix solennelle. Au sein de l'obscurité frémissante, les gens, mauvais et harassés de fatigue, se préparent à juger. Toi, homme de rien, malfaisant meurtrier, lui crie-t-il, ton châtiment sera la mort. Et la tempête semble applaudir leurs paroles. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. On va voir s'il a pas un fusil ou un truc dans le genre. Si ça. Ah, ça peut me réchauffer. Vas-y. Hop. Je sauvegarde. Je redescends. J'ai cru que j'allais encore tomber. Ah, je suis contente. Il m'avait manqué celui-là. Il m'avait tellement manqué. Toi, tu ne chauffes plus. Bon. Tu ne sers plus à rien, par contre. Alors, dites-moi, je vais où maintenant? Parce que je suis allée un petit peu partout, quand même. Donc là, ça s'est fermé. Ok. Bon, bah, je retourne là, je suppose. On y va. Excusez-moi, je vais éternuer. Vous avez entendu le caf, caf, caf? Il y avait un truc bizarre. Très bizarre. Bon, je ne vois toujours pas comment je monte... là-bas. Je vais dire tout en haut, mais oui, logiquement. De manière tout à fait logique. Bien sûr. Y a pas quelque chose qui s'est déclenché, qui s'est mis en place et tout. Merde, je monte là pourtant, comment je fais? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Y a pas d'échelle. Est-ce que je peux monter sur quelque chose là? Ah, il y a une échelle là, mais elle est un peu par terre, un peu tombée par terre. Bon, écoutez, de toute façon, ça fait 18 minutes, donc je pense qu'on va se laisser ici. Avec plein de vie, parce que voilà. Au moins, on aura davantage de vie. On sera préparé pour la suite. Et on essaiera de monter la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt !